Trois-Pistoles, une ville coquette, tricentenaire, située en bordure du majestueux Saint-Laurent, dans le comté de Rivière-du-Loup. Vous le présentera tantôt. Comme vous voyez, il y a des chansons, il y a de la danse ce soir à notre émission Soirée canadienne. Quel plaisir pour nous que de vous faire découvrir à Soirée canadienne tout le charme traditionnel de Trois-Pistoles dans le comté de Rivière-du-Loup. Dans une heure de chansons, de danse puisées à même notre patrimoine folklorique. Et vous allez voir que ça va être fameux ce soir. Après la chanson de Mme Gendron, nous allons vous présenter M. Paul Belzil. Bonsoir, M. Belzil, un jeune homme, un tout jeune homme. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? J'étudie au cégep de Rimouski. Ah bon, un étudiant du cégep qui chante le folklore. Y a-t-il quelque chose de plus beau? On va écouter ça. Allons-y. Nous avons fait un petit festin, un festin de campagne. Nous avons fait un petit festin, un festin de campagne. Nous invitions tous nos parents, nos voisins et leurs femmes. Nous invitions tous nos parents, nos voisins et leurs femmes. Tout le monde chantait, puis moi je criais. Qui pompant du fun, y'en avait pour tout le monde. C'est venu sur les minuit, on décore les tables. C'est venu sur les minuit, on décore les tables. Avec des fleurs de pissenlit et des cotons de rhubarbe. Avec des fleurs de pissenlit et des cotons de rhubarbe. Tout le monde chantait, puis moi je criais. Qui pompant du fun, y'en avait pour tout le monde. La belle joie de violon qui fait pas mal en fête. Belle joie de violon qui fait pas mal en fête. Et qui cherchait son arc-en-son à quatre pattes sous le poil. Et qui cherchait son arc-en-son à quatre pattes sous le poil. Tout le monde chantait puis moi je criais. Qui pompant du poil, y en avait pour tout le monde. Compositeur de cette chanson, y'est pas bien loin de vous autres. Compositeur de cette chanson, y'est pas bien loin de vous autres. Si vous lui passez le flacon, il en chantera une autre. Si vous lui passez le flacon, il en chantera une autre. Tout le monde chantait, puis moi je criais. Puis pompant du fun, y en avait pour tout le monde. Trois-Pistoles est une petite ville coquette située en bordure du majestueux Saint-Laurent dans le comté de Rivière-du-Loup. Dominée au sud par une chaîne de collines ondulantes, parsemée de forêts, de lacs et de rivières, elle est l'antichambre de ce paradis tant recherché par les chasseurs et pêcheurs. Entourée au nord par de nombreuses îles, soit les Razades, les Îlets, l'île aux Basques, Trois-Pistoles est le pied-à-terre de nombreux touristes. Au-delà de 300 ans, ont façonné l'histoire de Trois-Pistoles, dont le nom vient d'un gobelet d'argent valant trois pistoles qui a été perdu dans la rivière du même nom par un missionnaire colonisateur.
À la naissance du patelin, la chasse et la pêche fournissaient aux pionniers les moyens de subsistance. Des générations ont travaillé à la coupe du bois et au défrichement pour ouvrir la voie à l'agriculture et éventuellement à l'industrie. Ce fut l'ère des moulins à scie, à planer, à carder, à moudre, tous actionnés par l'eau des rivières. Depuis, la vie économique a beaucoup changé à Trois Pistoles. Le commerce est florissant et l'agriculture est devenue l'affaire de cultivateurs progressifs. Nombre d'industries prospèrent, assurent plusieurs emplois stables à la population locale. On y trouve, entre autres, le bassin laitier, un complexe où l'on produit lait, beurre, fromage et poudre lactée. Mentionnons aussi une fabrique de fer forgé, une usine de blocs et de tuyaux de béton, une usine d'asphalte, une fabrique de portes, châssis et armoires, une coopérative des chômeurs, organisme producteur de meubles anciens et de réparations diverses. À Trois Pistoles, on trouve en plus la maison du notaire, le rendez-vous des artisans et artistes où l'on fabrique toutes sortes d'objets d'art sous la direction de professeurs spécialisés. Les installations portuaires contribuent leur part à l'activité économique en permettant l'exportation des produits locaux et en stimulant l'industrie touristique, une des plus importantes dans cette région. Parmi les institutions de Trois Pistoles, mentionnons l'église Notre-Dame-des-Neiges, datant de 1882, et à l'allure d'une imposante cathédrale faite de pierres des champs à l'extérieur et de bois ciselé et doré à l'intérieur. Ce temple est de style roman et byzantin, avec transepts latéraux, retient beaucoup l'attention des visiteurs. En plus des écoles élémentaires, il y a l'école polyvalente qui reçoit les étudiants du secondaire de Trois Pistoles et de 10 paroisses adjacentes. C'est également dans ces maisons d'enseignement que des cours de français pour anglophones des autres provinces sont donnés depuis 44 ans. D'autres services sont offerts à la population, dont ceux du centre culturel, du centre paroissial, du pavillon des sports, des postes de police et d'incendie, et j'en passe. Tout cela fait de Trois Pistoles un endroit agréable où vivre et travailler. On est fier de ses origines, fier de sa culture et fier de son folklore que l'on tient à garder bien vivant. S'arrêter à Trois Pistoles, c'est faire la connaissance d'une population québécoise dans le sens le plus authentique du terme. De danser la gigue à la façon de Trois Pistoles. Que de grâce et de charme. Merci beaucoup. C'est maintenant Mme Léonce Belzile qui sera invitée à chanter. Bonsoir, Mme Belzile. Oui. Venez donc nous faire votre petit refrain. Vous savez, comment ça s'appelle, votre chanson? Martin la Grand Barbe. Martin la Grand Barbe. Puis il y en a des grands barbes de ce temps-là. Bonsoir. Quand Martin revient de son labourage, quand Martin revient de son labourage, s'écria de loin d'émettre la table rouge, le loup. C'était un petit vieux qui était bien à l'ordre. Il tirait ses poules à la place de ses vaches rouges. Le loup, petit à petit, tape, frappe.
sais bien quoi nous craindre. Ça, c'est de l'agriculture, hein? À votre façon, vous, c'est très joli. Je vous remercie beaucoup, Mme Belleville. Il y a maintenant M. Jean-Claude Parent qu'on inviterait ici à s'approcher parce qu'on voudrait l'entendre chanter. Bonsoir, M. Parent. Bonsoir. Comment vous appelez votre chanson, M. Parent? Les bretelles cassées. Les bretelles. Où est-ce que vous avez pris ça, non? Pas ça, ça vient d'un de mes oncles. Hein? Ça vient d'un de vos oncles. Peut-être. Qui était Trois Pistoles aussi. C'est vraiment une chanson régionale, là. Je pense que je ne l'ai pas entendu ailleurs. Non, moi non plus. Allez, c'est bien. À l'occasion de ma fête, j'ai reçu l'autre jour ce qui fut ma conquête de gage de son amour. D'une bretelle de son père, voilà le présent qu'elle me fit, en me disant je n'ai pas la paire, croyant qu'une seule suffit. J'ai cassé ma bretelle, c'est ça qui a du guignon. Il faut une petite ficelle ou bien un petit cordon pour tenir mon pantalon, mon long, mon pantalon, pour tenir mon pantalon qui me tombe sur les talons. Je suis conduit à la danse tout fier de mon présent, en disant je m'élance comme je fais à présent. Et tout à coup ça craque, je reste tout en émoi, et chez vous que ça détraque, ou bien chez moi. J'ai cassé ma bretelle, c'est ça qui a du guignon. Il faut une petite ficelle ou bien un petit cordon pour tenir mon pantalon, mon long, mon pantalon. Pour tenir mon pantalon qui me tombe sur les talons. Pour tenir mon pantalon qui me tombe sur les talons. Je m'aperçois qu'on me chuchote, qu'on me montre du doigt. Ma criant tes culottes, tu les perds, François. D'une façon délicate, je veux les retenir soudain, mais mes bretelles partent et me restent dans les mains. J'ai cassé ma bretelle, c'est ça qui a du guignon. Il faut une petite ficelle ou bien un petit cordon pour tenir mon pantalon, mon long, mon pantalon. Pour tenir mon pantalon qui me tombe sur les talons. Pour tenir mon pantalon qui me tombe sur les talons. Oh, merci, cette chanson. Permettez-moi de vous féliciter, c'est même très thank you.
garçon, j'ai pegué comme pinson. Toujours dans l'esclavage, dans mon petit ménage, la femme que j'ai pris me fait troubler l'esprit. Me fait troubler l'esprit. Elle est toujours au cabaret, elle boit et elle s'enivre. Son plaisir, c'est de vivre sans penser seulement à ses petits-enfants. À ses petits-enfants. Les berce tous les quatre, la garce, elle veut me battre le soir quand elle revient. C'est tout ne va pas bien. C'est tout ne va pas bien. C'est moi qui fais les lits, qui balaye, qui frotte, s'essuyer, je les brosse, je me fais à manger, cela me fait enrager. Cela me fait enrager. Je lave la vaisselle, je cure les marmites, les poêles et les poêlons, les plats et les chaudrons. Les plats et les chaudrons. Gare à vous, mes jeunes gens, si voulez vous mettre en ménage, soyez plus que moi sage. Rendez-vous sans façon, maître dans votre maison. Maître dans votre maison. C'est ma femme qui est la plus forte, elle porte mes culottes. Et moi, je suis sans façon, je porte son jupon. Merci beaucoup. Permettez-moi ici, ça c'est joli. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Robert Lindsay. C'est ça? C'est ça. Vous avez été capitaine... Oui, de la marine marchande. De la marine marchande. Oui. Sur le majestueux fleuve ou un peu partout sur l'océan? Sur quatre mers. Oui? Ouais. Capitaine, quatre océans. Capitaine au long cours. Oui, au long cours. Oui. Je pense qu'à Trois-Puissons, il y en a plusieurs marins ou des gens qui... Oui, il y en avait quelques-uns. Oui. Maintenant, je suis le seul dans le moment de capitaine. Vous êtes le seul comme mon capitaine. On vous remercie. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez, moi, je vais faire le tour ici, là, parce que j'ai rendu au petit moment précis où on en apprend davantage sur la municipalité invitée. Et ça nous fait plaisir ici de vous présenter deux maires. Tout d'abord, son honneur le maire, le docteur Jean-Marc Damour, de la ville, ou le village de... La ville. La ville, ah, oui, sûrement, la ville. La ville de Trois-Puissons, excusez-moi, je n'aurais pas voulu vous offenser. Et le maire de la municipalité de Paroisse, ça s'appelle aussi Trois-Pistoles? Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges, chez M. David Jean, ça me fait plaisir. On viendra à vous... attendez un petit peu, je vais présenter Mme Jean, excusez. Ça me fait plaisir, Mme Jean. Et ça me fait plaisir aussi de vous présenter Mme la mairesse d'Amour. Ben non, surtout pas Mme d'Amour. Ça nous fait plaisir de vous voir ici. Bon, M. le maire, on aimerait ça vous entendre parler de votre municipalité, mais j'aimerais d'abord savoir depuis combien de temps vous êtes maire. Bien, mon Dieu, ça fait 2 ans. Presque jour pour jour. Presque jour pour jour, oui. Ah, bon. Mais qu'est-ce que c'est qui vous a, à un moment donné, dirigé vers... À vous entendre parler, j'ai l'impression que vous trouvez que je me suis embarqué dans une moyenne galère. Mais est-ce que vous êtes médecin ou dentiste? Chirurgien-dentiste. Vous êtes chirurgien-dentiste. Oui. À un moment donné, vous avez décidé de vous occuper de la chose publique. Bien, c'est que je suis né à Trois-Pistoles. Oui. Puis j'ai fait mon travail professionnel à Trois-Pistoles. J'ai reçu beaucoup des gens avec qui je me suis dit qu'il faut leur donner. C'est ça. Avant que je sois mort. Bon. J'avais été pressenti auparavant, mais j'étais trop jeune. Ah, bon. Maintenant, je me sentais assez vieux pour faire le travail oui, que je fais là. Surtout avec l'équipe que j'ai présentement. Oui, bon, vous êtes quand même pas... vous êtes pas vieux encore. Ah, relativement vieux. Non, relativement jeune. On va le dire comme okay, ça va être mieux. Ça va. Oui. Maintenant, à cause de ma femme. Oui. Je vous blâme pas. Bon. Maintenant, chez vous, je pense que ça a déjà été assez industrialisé, Trois-Pistoles. Oui. Trois-Pistoles avait une vocation, au tout début, une vocation industrielle. Mais il est arrivé bien des facteurs, on a coupé le bois d'une façon qui était non scientifique, et puis on s'est trouvé avec des forêts complètement dénudées. À la suite de ça, bien, on a acquis une vocation touristique, et c'est reconnu par le gouvernement que Trois-Pistoles et la région pour recevoir les touristes. C'est ça, et vous êtes organisé d'ailleurs en ce sens-là. Nous sommes organisés, nous avons 2 parcs touristiques, mon confrère David, à 400 chalets à la disposition du public. Il va peut-être nous en dire un petit mot. Oui. Mais seulement l'atmosphère, l'ambiance de Trois-Pistoles est extraordinaire. Puis je suis sûr que vous avez apprécié. Oui.
Quand on part, d'ailleurs, on pense souvent à Trois Pistoles. C'est une voie qui est assez achalandée. Puis on s'arrête. Oui. On s'arrête à Trois Pistoles parce que c'est très joli. Il le faut parce que c'est très hospitalier. Oui, on a constaté ça. Tenez-vous là pour dire. Là, on a vraiment constaté ça. Oui. Maintenant, M. le maire, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont constaté que c'était très hospitalier, des Ontariens qui vont chez vous assez régulièrement. Continue donc ça. Bien, ce sera, je le ferai très rapidement. Il y a quelques 40 ans, disons 45 ans, le docteur Fox de l'Université Western, qui est à London, Ontario, est venu rencontrer le docteur Epiphane l'Italien. Puis, en jasant autour d'une table, on a décidé d'implanter des cours d'anglais à Trois-Pistoles. Des cours de français? Des cours de français pour les anglais et des cours d'anglais pour les français. Ah bon. Des cours de langue. Oui. Ça s'est fait comme ça parce qu'à Trois-Pistoles, je ne veux pas mépriser les gens de Sherbrooke, il semble que le parler français est très suave et que nous conservons le monopole du bon parler français. On va vous l'accorder, M. le maire. Le monopole, c'est peut-être fort un petit peu. Mais je tiens à vous dire une chose, c'est que j'ai constaté, évidemment, qu'à Trois-Pistoles, on parle un très bon français. C'est tout à votre honneur. Je vous remercie. Et c'est ça que les Ontariens vont chercher, les universitaires. Surtout des universitaires, des Ontariens et des technocrates de toutes les provinces du Canada. Oui. Ces cours se donnent l'été, naturellement. Ça a commencé avec 15, 17, 18. Nous sommes rendus à 250. Et même les cours se donnent l'hiver, maintenant. Ah oui! Ah mon Dieu! C'est devenu une industrie. C'est une sorte d'industrie. Oui, oui. Surtout l'été. Parce qu'on voit la ville s'agrandir. Ça s'anime. Avec tout. Exactement. Vous avez le terme qu'il faudrait employer. Le bilinguisme chez vous, c'est chose courante. Oui. C'est magnifique. Les gouvernements n'ont pas besoin de se taper dessus. Pour ça, c'est réglé chez nous. Écoutez, M. le maire, on aimerait ça en causer davantage, mais on doit s'arrêter ici. Je vous remercie d'être venu à notre soirée. C'est très agréable de découvrir, à vous entendre, le magnifique Trois Pistoles. Merci, M. le maire. Merci. On va s'adresser maintenant à votre collègue, M. David Jean. Vous êtes maire depuis longtemps, M. Jean? Ça fait 3 ans, hein, M. Bledot. Ça fait 3 ans? C'est bien ça? Ça fait 3 ans que je suis maire de la municipalité Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Bon. Qu'est-ce qui se passe à la municipalité Notre-Dame-des-Neiges? C'est assez actif. Oui? Oui. Contez-moi ça. Actuellement, nous sommes en voie d'exécution des travaux d'égout et d'aqueduc. Ah bon? Et puis, M. Bledot, vous savez, j'aimerais dire au maire qui m'écoute en ce moment, là, que celui qui va passer un réseau d'égout et d'aqueduc va avoir son voyage. Il va avoir son voyage. C'est beaucoup d'ouvrage. Alors, j'aimerais dire au maire Vous les prévenez. Je les préviens. Ceux qui ont déjà passé connaissent ça. Oui, ils savent. Et ceux qui vont venir à l'avenir vont l'apprendre. Bon. Mais savez-vous, vous êtes le premier à me parler de ça. Il y en a souvent qui me disent on a réalisé un projet d'égout, puis d'aqueduc, puis tout ça. C'est pas si facile que ça. Non. Présent, on doit rendre un témoignage à ceux qui l'ont réalisé. Oui, ils le méritent. Certainement. À présent, Trois-Pistoles, on a la rivière Trois-Pistoles, oui. À laquelle, que vous avez vu tantôt, il y avait perdu le gobelet, là. Oui, c'est la rivière, là. C'est là. Ah, c'est là qu'il a perdu le gobelet. Vous l'avez pas trouvé, là. On l'a pas trouvé encore. Et puis, il y a environ 400 personnes dans la rivière, 400 à 500 personnes. La balance, c'est dans le village, la rivière. Ah, oui, le village, la rivière. Et puis, le restant, c'est dans la paroisse agricole. Bon. Alors, nous avons une magnifique paroisse agricole, on en est très fiers. Le nombre de cultivateurs a diminué, mais la qualité va en augmentant. Ça, c'est et bien. Nous avons à Trois-Pistoles une usine laitière, telle qu'on a vu au début, qui va chercher du lait presque à 100 000 alentours de Trois-Pistoles. Et puis pour emmener tout ça à Trois-Pistoles. Et l'industrie laitière, cette année, annonçait pas très bonne, mais là, on est tous encouragés pour l'année qui s'en vient. Bon, ça c'est et bon. Et puis après ça, mon confrère vous a parlé de tourisme, mais les plus beaux point de mire, là, c'est dans la paroisse. C'est dans la paroisse. Et puis, j'inviterais tous ceux qui nous écoutent en ce moment, les touristes, de venir nous voir chez nous. Vous avez des îles? On a des îles, on a des trésors. Oui. On ne peut pas les divulguer ici. Il faut y demeurer 2 à 3 jours à Trois-Pistoles. J'ai compris. Je vais les découvrir. Il y en a plusieurs. Vous nous donnez le goût d'y aller, M. le maire. C'est pas croyable. Il y en a plusieurs. Je peux vous en donner un. Oui. Après 2-3 jours, là,
c'est le trésor, c'est l'hospitalité des gens trop tard. Ça en est un trésor. Vous êtes, mais oui. C'est le premier, mais il y en a bien d'autres. On pourra vous dire quand vous viendrez chez nous avec toutes vos les touristes. Vous savez-vous, M. le maire, j'ai quasiment envie de vous dire que vous êtes un poète. Je ne sais pas si ça vous a déjà été dit. Non, puis vous êtes un raconteur extraordinaire. Mais pour ça, vous êtes un bon vendeur. Merci beaucoup, M. le maire. Merci mille fois. Maintenant, on va revenir aux chansons. Il y a Mme Fernande Lapointe qui aurait sa petite chanson à nous faire. Mais non, Mme Lapointe, c'est votre tour. Quand je vais voir Anna, je sens mon cœur flamber. Bébé, je me dis pour l'embrasser. La chanson Madame Lapointe, on aimerait ça avoir une petite gigue. Sa gigue, vous avez vu tantôt d'ailleurs, à Trois Pistoles. Il y a un monsieur Albert Sirois ici qui est quasiment prêt à nous faire sa gigue. Vous voulez vous la faire? Allez-y donc. Je vous le dis en vérité, que c'est pas drôle pour un homme d'avoir les cheveux frisés. Que c'est pas drôle pour un homme d'avoir les cheveux frisés. Il a beau tout faire, il ne peut jamais plaire. Il a toujours sans cesse quelque chose à se reprocher. La moindre petite chose arrive comme vous le savez. Le pauvre job, il est bien certain de s'en faire arracher. Le pauvre job, il est bien certain. Vainqueurs, ils ont dans leur poche de veste un petit fer à friser. Moi, je leur donne pour conseil s'ils voulaient bien m'écouter, car ils n'auraient pas besoin de fer pour avoir les cheveux frisés. Car ils n'auraient pas besoin de fer pour avoir les cheveux frisés. Moi, je leur donne pour conseil de s'acheter une bouteille, bon vin doux de Marseille, de gin ou de brandy. D'en prendre trois ou quatre doses le soir avant de se coucher.
Le lendemain, il est bien certain d'avoir les cheveux frisés. Avec leurs belles chevelures, leurs cheveux bien frisés, il leur arrive souvent d'avoir des difficultés. Si leur mère ou leur femme trouve un peigne de cassé, tout de suite elles disent que ce n'est pas d'autre que la grosse tête frisée. Merci, Mme Cécile Pelletier. C'est très joli, une chanson qu'on n'a jamais entendue encore. C'est très, très beau. Vous avez remarqué, il y a deux petites bonnes femmes ici. Regardez ça, si elles sont jolies. Comment tu t'appelles, toi? Kathleen Lavoie. Kathleen Lavoie. Puis toi? Natacha Lavoie. Natacha, Natacha. Natacha Lavoie. Quel âge as-tu, toi? 8 ans. Puis toi? 7 ans. 7 ans. Elles sont jolies, puis elles ont aussi beaucoup de talent. Parce que c'est des petites gigueuses. Et vous allez voir ça, qu'elles font bien ça. Vous êtes prêts? Oui. En avant la musique! Passer dans le plancher. C'est les petites Lavoie, puis je pense que c'est leur mère qui joue l'accordéon. Vous jouez bien, puis vous les préparez bien. Merci beaucoup, Mme Lavoie. Les autres, oui, on peut l'applaudir. Les autres musiciens, quant à hier, celui qui joue la guitare, c'est M. Jean de Gamache. C'est un autre M. Gamache qui joue le violon. C'est-tu votre père ou quoi? Oui. Bon, M. Gamache, on vous félicite, vous jouez bien le violon. C'est M. Lucien Gamache. Merci beaucoup. Maintenant, on va retourner ici à la table ronde parce qu'on voudrait vous présenter M. le vicaire. M. le vicaire qui s'appelle M. Arthur Leclerc. M. le vicaire Leclerc, ça me fait plaisir. Je peux m'asseoir à côté de vous? Oui, oui. Bon, M. le vicaire, vous représentez votre curé. Oui. Comment oui. s'appelle-t-il, votre curé? Jean-Marc Lévesque. C'est un tout nouveau curé qui est arrivé au mois d'août. Là. Au mois d'août. Ouais. Là, il a dit, vas-y donc à ma place. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas venir, puis en même temps, mais ça fait 7 ans que j'ai trois pistoles. Alors je connais un peu plus, peut-être, trois pistoles, le milieu. Puis... Alors, il vous a délégué pour le remplacer. Délégué, une fin de semaine de congé. Bon. savez-vous, M. le vicaire, quand on pense à trois pistoles, je pense que c'est naturel pour tout le monde. Ceux qui, les gens qui passent par là, on revoit toujours l'église, qui est un monument sensationnel. Ah oui, c'est... Un petit peu spécial. Magnifique. Ah, on a une église, on a vraiment une église extraordinaire. C'est presque une basilique. Bien oui. Un style est vraiment spécial, hein, qui a été inspiré probablement par un style d'Europe. Il y avait des curés voyageurs à Trois-Pistoles. Hein, puis il y en a qui allait chercher des idées en Europe. Là, il est revenu avec ces idées-là. L'intérieur aussi est magnifique. Hein, oui. Travail fait à la main, là, tout sculpté à la main, c'est... C'est très, très beau. C'est exceptionnel. Ah oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Très beau monument. Si vous passez à Trois-Pistoles, ne vous contentez pas d'admirer l'église de l'extérieur. Entrez. Ah oui, oui, il faut vous voir. Vous allez voir, vraiment, vous allez découvrir. Oui, l'extérieur annonce l'intérieur, puis c'est surprenant. C'est ça. Maintenant, évidemment, l'église, c'est une chose, mais ce qui compte aussi, c'est les gens qui sont à l'intérieur ou qui font partie
de l'église de Trois-Pistoles. Qui font l'église, qui font la communauté, oui. De Trois-Pistoles. Si vous vouliez nous en parler, on aimerait ça. Oui, bien, on a une population qui est très vivante. Je suis dans une population là, où il y a beaucoup d'organismes, d'abord, des gens qui sont vraiment intéressés à participer. Puis, même, il y a des tendances qui se dessinent. Là. On aura une expérience, bien vite, là. Un carrefour qu'on appelle, c'est des gens qui vont se rassembler pour un peu réfléchir sur l'engagement du chrétien. Puis, comment est-ce que chacun peut vraiment prendre en charge là, l'Église que chacun de nous forme, là? C'est tous nous autres, c'est notre responsabilité. Je pense que ça va donner vraiment des bons résultats. C'est une prise en charge de la communauté par les chrétiens de Trois-Pistoles de toute la région. C'est un projet magnifique. Ben oui, c'est un projet nouveau. Oui, oui. Ça vient d'où, en fait? L'idée est née comment? Ça vient probablement d'un manque de prêtres. D'abord, on était trois prêtres avant ça. Maintenant, on est deux là, à la paroisse. Il y a un aumônier à l'hôpital, il y a un aumônier à l'école. Mais à la paroisse, maintenant, on est deux. On est seulement deux. C'est ça. Puis, on ne suffit pas. Hein? C'est ça. Alors, je pense que c'est... Moi, je suis quasiment prêt à gager que vous êtes l'initiateur de ça, puis vous êtes trop humble pour en parler. Quand je dis ça vient d'où, vous me donnez des conséquences. Alors, c'est quand même un projet diocésain. Oui. Pour le diocèse de Rimouski. Là, oui, puis, fantastique. Alors, je vous encourage à continuer dans cette veine-là, parce que vous m'avez l'air très enthousiasmé de ce projet-là. Je suis convaincu que vous allez obtenir de gros résultats. Alors, merci beaucoup, M. le vicaire. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. Il y a un monsieur qu'on a vu giguer tantôt avec beaucoup de talent, mais c'est pas son seul talent, il chante à part de ça, c'est M. Albert Sirois. Regardez-le venir. Il y a de l'entrain dans ce monsieur-là, c'est pas croyable. Comment vous appelez votre chanson? Le petit moulin. Le petit moulin, bon, il va dans votre petit moulin. Pendant que je m'attends, il y a un petit moulin, c'est là où je m'attends, il y a un petit moulin. C'est là où je la viens. C'est là où que la vieille va faire mou de son grain. C'est là où que la vieille va faire mou de son grain. Vous direz à votre fille qu'elle vienne demain matin. Au règne du ding dong ding la ding, au règne du ding dong ding ding. Le lendemain matin, la fille vient au moulin. Au ring ding ding dong ding ding ding, au ring ding ding dong ding ding. Le lendemain matin, la fille vient au moulin. Sur l'attaque du moulin, au ring ding ding dong ding ding ding, au ring ding ding dong ding ding, la belle s'est endormie sur l'attaque du moulin. Réveillez-vous la belle, car votre petit sac est plein. Au ring ding ding dong ding ding ding, au ring ding ding dong ding ding. Car votre petit sac est plein. Réveillez-vous la belle, car votre petit sac est plein. C'est pas l'affaire des mères d'envoyer leur fille au moulin. Au règne ding ding dong ding 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 ding, au règne ding ding dong ding ding. C'est pas l'affaire des mères d'envoyer leur fille au moulin. C'est pas l'affaire des mères. Ça leur cause des mal de tête, aussi des mal de rein. Au règne ding ding dong ding ding, au règne ding ding dong ding ding, au règne ding ding dong ding ding, ça leur cause des mal de tête, aussi des mal de rein. Ça leur cause des mal de tête, aussi des mal de rein. Ça leur fait grossir le ventre et arrondir les seins. Au règne ding ding dong ding ding, au règne ding ding dong ding ding. Vous chantez une chanson, comme vous savez que c'est la façon. Je vais vous chanter une chanson, comme vous savez que c'est la façon. Depuis un an que je vais voir Rose, nous nous disons de belles choses. De temps en temps nous embrassons, comme vous savez que c'est la façon. De temps en temps nous embrassons, comme vous savez que c'est la façon. De temps en temps nous embrassons, comme vous savez que c'est la façon. Comme
vous savez qu'un garçon sage finit toujours par le mariage. Au bout d'un an, un gros garçon, comme vous savez que c'est la façon. Au bout d'un an, un gros garçon, comme vous savez que c'est la façon. Au bout d'un an, un gros garçon, comme vous savez que c'est la façon. Il faut la porter à l'église pour que monsieur curé le baptise. Nous l'appelons Joseph Léon, comme vous savez que c'est la façon. Nous l'appelons Joseph Léon, comme vous savez que c'est la façon. Nous l'appelons Joseph Léon, comme vous savez que c'est la façon. Merci beaucoup. Merci, monsieur René Lepage. Monsieur Lepage, c'est lui qui dansait au début. Il y a beaucoup de talent, comme vous le voyez. Maintenant, nous allons rencontrer monsieur et madame Émile Damour, qui sont nos doyens. Madame Damour, bonsoir. Monsieur Damour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On peut vous faire causer un petit peu? Vous avez rien contre la causette? Oh, non. Non, quel âge avez-vous, monsieur Damour? Moi, j'ai 76 ans. 76 ans? Vous avez une belle chevelure. Oui, merci. Ben oui. Ben oui, puis madame aussi. D'ailleurs, quel âge avez-vous, madame? 70. 70 ans. Oui, on vous les donne pas non plus. Yeah. Sûrement pas. Non. Ça fait longtemps que vous êtes mariée? 47 ans. 47 ans? Oui, il y aura 48 à l'été. Vous vous rappelez quand vous l'avez rencontrée? Ah oui. Vous avez peut-être un petit mot à nous dire là-dessus? Oh, bien. C'est juste que je n'oublie pas ça. Ben non, je comprends. Oui. Parce que je l'ai rencontrée en veillée. Oui. J'étais un joueur de violon, vous savez. Ah, vous avez joué de violon? Oui, et la petite brune, j'ai envoyé, j'étais cherchée pour danser, elle voulait venir, elle ne savait pas danser, puis elle dit, monsieur le curé, ne me fait pas ça. Toujours, j'ai les affaires pour un soir, le lendemain, je suis revenu en course pour le même temps. On m'a dit, vous me demandez tellement bien ça, elle dit que je vais accepter, je viens de danser. Puis là, ça a continué. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça. Oui. Ça, mais ça a dû continuer combien de temps avant le mariage, là? À peu près 9 mois. Oui? Oui, 8 à 9 mois. Oui, puis vous alliez la voir régulièrement? Oui. Excuse-moi, comme un confesseur, là, moi, là. Oui. Il parlait la danse, puis... On vous dit la vérité aussi. Je veux quand même pas aller trop dans les détails. Oh non, c'est beau. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, vous? Cultivateur. Cultivateur, oui. Vous avez plusieurs enfants, madame? 12 enfants. 12 enfants? Mon Dieu, c'est à vous voir, on croira pas ça. 4 filles, 8 garçons. Oui. Vous félicite, madame. Merci, monsieur. Vous les avez sûrement bien portés parce que vous êtes très belle encore. Vous avez conservé votre jeunesse. J'ai conservé. Vous êtes radieuse. Je vous en félicite, madame. On aimerait ça vous faire causer encore, mais vous avez une petite chanson. On voudrait vous en faire chanter juste un couplet. Il nous reste très peu de temps. Juste un couplet? Juste un couplet, juste parce qu'on veut entendre votre voix. Oui, il nous reste pas beaucoup de temps. Juste avec plaisir. Oui, chantez-nous donc ça. Petits enfants, jouez dans la prairie. Dansez, dansez au doux parfum des fleurs. Profitez donc du printemps de la vie. Trop tôt, hélas, vos verseurs et des pleurs. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse. Bien, en votre nom, je veux féliciter la population qui est ici, les représentants de la population de 3 pistoles qui ont fait ça magnifiquement. On est rendu à la toute fin. On voudrait ici remettre la photo souvenir qui est là, au mur, à l'organisateur, M. Desvaux, M. Albert Desvaux, qu'on va féliciter. Félicitations, M. Desvaux. Vous avez un bon groupe, c'était parfait. On vous félicite. Et je voudrais également remercier M. le maire Damour qui a fait la composition du texte qu'on a entendu pendant le film. Remercier Mme la mairesse Jean qui a fait l'accompagnement de piano pendant les répétitions. Il faut dire merci à tous ces gens-là. Il y a M. Jean-Pierre Gagnon qui a aussi aidé dans les répétitions, puis un autre monsieur là, dont j'oublie le nom. Pardon? Bon, parfait. Il est remercié au nom de tout le monde. Merci à toute cette population. C'est déjà terminé. Les danseurs, approchez-vous donc, s'il vous plaît. On va vous revenir la semaine prochaine parce que le folklore, c'est toutes les semaines qu'on le fait à Soirée canadienne. J'espère que vous serez là. C'était aujourd'hui 3 pistoles. La semaine prochaine, un autre coin du Québec qui nous dévoilera les richesses de notre patrimoine. Soyez là. Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique. Le premier coup que je vais chanter, encore une fois, pense tout droit. Un crescendo.